Au Nigeria, les parents d'élèves disparus disent que jusqu'à 105 filles pourraient avoir été enlevées par le groupe terroriste Boko Haram. Elles ont été enlevées après qu'une école de filles ait été attaquée lundi dans l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. L'un des parents d'une élève disparue a personnellement remis aux autorités une liste compilée des 105 étudiantes disparues. Le président nigérian Muhammadu Buhari a qualifié l'incident de catastrophe nationale et enverra davantage de militaires et d'aéronefs de surveillance pour rechercher les étudiantes.